question de la grève de la faim et ben, une gréviste de la faim. Permettez-moi de soulever cette question-là au Parlement. Parce qu'il y a un standing order qui dit, malgré qu'il n'y ait à l'ordre du jour concernant un matter, un issue, mais un député gain droit demande postpone pour travaux parlementaires, peut-être qu'il postpone le bill qui est à l'ordre du jour, parce que là, le issue qu'il m'a envie de soulever, c'est un definite matter urgent public importance. Normalement, le speaker est capable, service de prérogative, laisse-moi soulever la question. Donc, on est calé dans ce sens-là pour dire qu'il m'a envie de soulever la question de la grève de la faim. Il demande une réponse. Également, I have considered your request and have come to the conclusion that the issue raised is not a definite matter of urgent public importance. Donc, le speaker a refusé ce droit-là. Et finalement, c'est mon avis sur les vies d'une autre occasion, dans l'adjournement, etc. L'objectif de mon demande, c'était de provoquer un débat pour permettre au gouvernement de répondre et dire qui se positionne de la grève de la faim là, pour être capable de mettre une fin à la grève de la faim là. Donc j'ai envie de dire, en tant que parlementaire de l'opposition, regrette la décision du speaker, parce qu'aujourd'hui, c'est la grève de la faim continuer. Et évidemment, vous pensez, nous avons envie de souhaiter qu'ils trouvent une solution au problème. L'expulsion du leader de l'opposition ? L'expulsion, le mouvement patriotique solidaire avec le leader de l'opposition, solidaire avec tout le parti, tout le parti de l'opposition. C'est à cause de ça que nous ne pas nous retourner dans l'Assemblée. Parce que moi, comme ancien speaker, je veux dire qu'il est capable d'éviter cette situation-là. Même s'il est vrai que Duval, le leader de l'opposition, il servit un mot qui ne pas plaire à la speaker, le petit bizarre, immédiatement, d'y aller withdraw ben, le mot. Donc, donne-lui la chance pour être capable de rétracter. Parce qu'il y a un parlement, c'est un endroit où très souvent, ben, le débat vient couleur, tout le monde perd un peu les pédales, ben, une parole dépasse de pensée. Donc, le speaker dit, il est avec beaucoup d'agilité, de doigté et de souplesse, il diffuse la situation. Donc, un, il va donner l'occasion de lui aller, I order you out. Et quand il va aller, il y a l'écrire, il y a dans son bureau, il vient avec le ruling et il expulse ses Duval pour décider. Une expulsion d'un leader de l'opposition, c'est une affaire très rare. C'est une ultime sanction. C'est une sanction qui, moi j'ai vu, de dernier recours extrême. Donc, vous pensez que c'est capable d'éviter la situation aujourd'hui. Le mouvement patriotique, nous regrette ça. Et nous toujours faire un appel que le Parlement, en tant que l'institution suprême, est bien capable de fonctionner et qui fait une base de démocratie, pas capable d'empêcher un leader de l'opposition qui est élu démocratiquement, exerce sa fonction de leader de l'opposition. Donc c'est la démocratie qui est en péril quand nous trouvons sa qualité. Bon, évidemment, nous voudrions décider avec mon collègue Jean-Claude Barbier qui nous pouvait faire pour mardi prochain, mais pour aujourd'hui, on me dit à vous, nous ne pas nous reprendre le chemin de l'Assemblée parce que nous trouvons bien juste et unfair ce que là aujourd'hui vis-à-vis le leader de l'opposition. Les malheureux qui ne peuvent pas gagner un PSU, là, la situation là, qui est un petit peu plus corsée. Et il y a aussi chagrin que le gouvernement, même le dialogue pas ouvert. Et il propose qu'il ouvre le dialogue, qu'il y ait un clavier avec lui. Clair qui nous pas faire la grève comme dire ne se fasse une soupe et une cause est là une l'accord qui nous proposer qui nous accepter dans sa intégralité c'est lui qui va respecter l'accord là donc moi espérer je vous comprends.